District 5 Miami, Keon Hardman, quoi donc ça, qu'elle participe dans aider citoyens vivre dans un espace qui est propre, ni encourager citoyens pour te coller à l'autorité municipale pour faciliter le travail. There's a pride in the community that makes them happy that they're living in a place like Port-au-Prince. L'homme monde vraiment intéressé dans la communauté, devient fier de la communauté, quel que soit où ils habitent, qu'ils soient en Haïti, qu'ils soient à l'étranger. Et ça qui te frappe dans la ville, qui te fait plaisir, c'est que le magistrat qu'il a, il n'est pas simplement longé mais pour demander aide, il est déjà mettre tête au travail avec la même communauté, avec l'autre haïtien pour nous améliorer ensemble la qualité de vie dans notre place. Nous voulons faire ce que nous pouvons dans la ville de Miami pour aider les gens qui sont ici. Camion sa yo vin ajouter sou yon ensemble l'autre matériel qui compose centre municipal équipement Port-au-Prince lan. Après Port-au-Prince, de l'autre commune recevra matériel dans cadre coopération sa, parmi yo Saint-Louis du Nord. Voilà, on a fait coup de pied dans le département NIP. Cabinet d'instruction tendait 4 juin, 3 jeunes garçons qui inculpés dans le dossier tentative assassinat sous 3 policiers Miragwanyo dans l'enterrement Robinson François, yon proche militant Lavalas, 12 mars passé. Sénateur Nenel Kassi, qui dit a fait ça intéressé, souhaitait la justice agir sans parti pris. Anne Myriam Loiseau pour plus de détails. C'est 4 juillet 2018, le cabinet d'instruction Miragwan commencé à séance audition. Divers personnes la justice Kembe comme complice Sayorele, une association malfaite, qui a fait tentative assassinat sur 4 agents unité métier l'ordre dans le funérail proche militant Lavalas Robinson François. Steve Ruben Denoyer, Frenel Jean-Louis et Angelo Février, c'est nos 3 jeunes garçons Sayo, met Jean-Maxence Samedi, juge cap travail sous dossier a déjà attendu. Sénateur Nenel Kassi, qui dit la suivre dossier ça de près, souhaitait la justice faire travail sans passe pour qui, pour coupable tomber en bas sanction la loi. C'est plus passé 10 personnes qui inculpé dans dossier 4 policiers qui étaient blessés à balle 12 mars passé. Cabinet d'instruction Miragwan pour le tendre. Pendant dossier policier qui était blessé par balle a fait chemin pour qu'on ait aucune action concrète qui posait dans la justice pour joindre l'auteur acte criminel qui était fait sur Robinson François Lakaili 15 février passé. Anne Myriam Loiseau, métropole Miragwan pour TNH. Merci Anne Myriam Loiseau. L'autre nouvelle, la première dame République la Martine Moïse continue un programme Ti Maman Chérie dans l'école nationale République Canada hier dimanche 3 juin. Activité sa fête dans l'idée pour supporter maman défavorisée dans tout pays. Daline Dorival a dit nous plus dans un reportage. Plusieurs mamans, jeunes femmes et jeunes garçons, te réunis dans l'école nationale République Canada dans l'occasion du programme Ti Maman Chérie. Yon programme qui permet à pile maman bénéficier yon coupon pour retirer ti chocho dans Unitransfert. Première dame République là, Martine Moïse, attire attention sur l'importance maman gagnée comme potomitan dans la société a expliqué comment yon maman capable bousquer la vie pour améliorer condition la vie petite li. Pendant l'encourager, ti moun yo prend l'école yo au sérieux dans l'idée pour satisfaire parents yo. Martine Moïse rappelait mesdames yo ti maman chérie pas seulement action gouvernement Moïse Lafontaine pour supporter toute maman en de pays ya, mais y a qu'à continuer travail pour améliorer condition la vie yo. Là on dit femme c'est pour tomitan, c'est pas pour grand merci parce que on femme n'importe ti monon la gnan mel kapé ti mon a manger yo pas wè garçon encore parce qu'il a règle à faire ka là. Donc si bon ti monon ka baye c'est madame pareil moi pour tomitan pareil moi pour m'baille parce que société a c'est nous porter le sous dos nous et si nous pas là société a t'a des problèmes donc c'est nous porter société a sous dos nous donc si comme ça mon débil tombé c'est bon bagage qu'on va faire pour petit moun yo si maman chérie a son programme lié pour maman yo mais quel autre programme encore qu'à l'étude pour que maman yo joigne l'autre support pour capable supporter qu'elle là.
Parce que nous connaissons depuis qu'on va tomber dans ma maman, c'est tout le monde qui joue. Si mon yo tout bon côté paille, m'a dit yo, étudiez les leçons, nous-mêmes, si vous avez regardé là. Si maman chérie, c'est un programme social administration Moïse à gouvernement La Fontaine, mettez campé pour aider la population à améliorer les conditions de vivre et spécialement ça qui n'a plus besoin. Merci Daline Dorival avec Michel Joseph. Voilà, c'est le moment pour nous observer. Un coup de pause dans le journal là, pas déplacé. N'a pas tenu tout de suite après. Et sportive, la sélection féminine U21 a rencontré la France jeudi à 1h45 dans le cadre du tournoi amical Sud Ladies Cup là, qui a servi préparation pour Coupe du Monde féminin qui a déroulé dans le pays de la France sorti 5 pour arriver 24 août 2018. Et puis à l'étranger, Coupe du Monde Russie 2018, sélection chilienne n'a battu la Serbie à hier lundi dans un match préparation pour Mondial Russie 2018 là. Merci à l'équipe sportive là. L'autre point dans le journal là. Méricité Solaire recevoir 4 géants et un camion dans mes commissionnaires district 5 dans la ville Miami qui ont Hardmont. Dans le discours circonstancio, magistrat principal commune Cité Solaire là, Jean-Islain Frédéric, avec ministre haïtien qui vivent dans le pays étranger, Guy André François Junior, te profiter, remercier qui ont Hardmont pour ce geste là et puis souhaiter amitié yo continuer kembe yon façon pour permettre plus de développement social rive dans la communauté. Il y a un extrait dans le micro Colo Elizer avec Joseph Michaud. Je dis, c'est un gros jour pour la commune Cité Soleil, pour que nous chita là devant Tabza. Je dis, qui c'est 4 juin 2018. Avec un pile contentement. Et contentement, ça aller dans la quantité niveau population Cité Soleil là, pour nous montrer face avec. Moun sa yo ki la ensemble avec nous. Hein? Monsieur Kemon Andermon, Madame Merlin, Consilman Alix Fizeme, qui permettent jodi a Cité Soleil bénéficier yon gros camion qui pral aider population Cité Soleil là dans question gestion des déchets. Donc c'est pas tout bagay qui était facile. C'était des discussions que nous avons faites, ça fait pas mal de temps. Mais, il y a un proverbe qui dit, plutôt de miser dans la route, nous avons des bonnes nouvelles. Je dis à la population Cité Soleil, là, nous allons recevoir un gros camion qui va permettre que nous allons marcher avec les gens aujourd'hui pour que nous allons prendre Fatra ou la Kayo. Au lieu que nous quittions, nous venons assembler devant la rue. Et nous connaissons un seul pas suffit. 20 pas tap trop tout. Mais nous avons commencé par une pour nous arriver dans la quantité de besoin. Gros poto et garçon, qui est le commissionnaire Kian Hodman, qui est un Américain. Il n'est pas haïtien, mais c'est comme s'il était haïtien. Parce que la zone côté lié lui, c'est la zone ça. Yo gazon yo le Little Haiti. Qu'est-ce que nous comptons de parler de Little Haiti? Ti Haiti. Eh bien, c'est là que le commissionnaire Hodman est élu. Et nous a dit que en plus de camions que li bay là, chaque troisième vendredi du mois, des activités que le mettait pour la communauté haïtienne. Des rara l'autre bois que les rara la caille, qui s'est affaire par nous. Au moment que le commissionnaire a quitté sorti, il dit qu'on a le rara le tout, pour toi là, même s'il ne parle pas l'anglais. Donc, même s'il ne parle pas les créoles. Donc, moi, comme commissionnaire depuis longtemps, je dis merci. Encore une fois, son bon ami Haïti. Et c'est grâce à lui que non Little Haiti a été légal en 2016. Il y a 2 ans de ça. Parce que non Haïti était là, mais il n'est pas déjà légalisé. Donc, c'est grâce avec commissionnaire que finalement non Little Haiti a légalisé. Le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un a avancé. D'après porte-parole, président américain Sarah Sanders, gros progrès arrivé fait dans sans ça. Cependant, Washington toujours demandé à Corée du Nord une dénucléarisation totale. Nous invitons à suivre un reportage.
Yon premier rencontre a déroulé 12 juin prochain, bon 9h du matin, mais la 11 juin et puis 7h pour Washington à cause décalage là. Suite à question yon te posé Madame Sanders sous éventuel assouplissement position américaine sous dossier Pyongyang là, li assuré pas gen aucune évolution qui fait, politique là pas changé et yon pas baissé tension an, tout autant pas gen dénucléarisation qui fait. Washington mande Corée du Nord yon dénucléarisation totale qui vérifiable et puis qui pas ka changé. Washington dit li paré pour bay garantie pour sécurité régime là. Yon lot bò Kim Jong-un assiré li vle fini à question nucléaire sous péninsule là, mais étape par étape. Régime nord-coréen déclaré tout li pa vle yon désarmement unilatéral. Programme Ti Maman Chéri continue à faire route li. Première dame République la Martine Moïse distribué dimanche 3 juin dans l'école nationale République Canada coupon by plusieurs femmes pour yo ka bénéficier programme là. Juge instruction Jean-Wilner Morin, tendé lundi 4 juin, Fleurette Le Gagneur, Madame photojournaliste Vladimir Le Gagneur, dans quatre dossiers disparition journaliste là. À l'étranger, préparatif sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un avancé d'après déclaration porte-parole Maison Blanche, Sarah Sanders. Voilà, c'est la journal La Boute pour jeudi. Merci à tout le monde qui t'a suivi, journal ça. Nous invitons à rester branchés pour suivre cette programmation. En pas oublier, rendez-vous à la salle des nouvelles là, c'est à 7h pour téléjournal là. Bonsoir à tout le monde.